Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. Bienvenue encore sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ben, ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo de soins. C'est une vidéo des produits de beauté, en fait, les produits de soins de beauté pour le visage que j'utilise pour nettoyer mon visage. Donc, voilà. Mais c'est ça. Vous savez, il y a plusieurs produits sur le marché. Donc, chacun ou chacune choisit ses produits par rapport à son type de peau. Donc, voilà, moi j'ai quelques produits ici que j'utilise souvent. J'en ai beaucoup, mais il y en a que j'utilise vraiment souvent comme chaque jour. Voilà, je tenais à vous en parler. C'est ça. Je veux commencer par le petit produit ici. C'est une petite bouteille de chez Bioderm. Voilà. Donc, c'est un bon produit, comme vous pouvez le marquer. J'ai choisi un petit format et il y en a presque plus. J'aime bien les produits en petit format comme ça. Ça finit vite. Avec le nombre de produits qu'on a sur le marché, on veut. On a tendance à tester tous les produits. Donc, quand c'est des grosses bouteilles, parfois, ben, on finit par ça et puis on abandonne et puis on passe à autre chose. Donc, c'est ça. Ceci, c'est un produit de chez Bioderm. Ça combat le sébum. Et c'est ça. C'est une solution micellaire en fait, qui nettoie. Purifie et voilà. Et ça purifie et ça nettoie la peau. Donc je l'utilise aussi souvent. Après avoir nettoyé mon visage avec un coton, ben, je passe sur le visage. Voilà. Et puis j'ai un autre produit ici de chez Bioré. Donc voilà. C'est ça. Donc, ceci est dit, c'est un nettoyant en profondeur au charbon pour les pores. Donc, pour les gens qui ont des pores peut-être bouchés ou trop larges, tout ça, ça nettoie vraiment bien. J'aime bien ça, comme vous voyez, il en reste presque plus. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai un autre produit que j'ai ici. Voilà, ceci est un. C'est de l'eau micellaire à la vitamine C. Donc, ils disent que ça enlève aussi le make-up et ça hydrate la peau et ça laisse la peau souple. Donc, c'est fait à base de la vitamine C, comme vous voyez. Voilà les grosses bouteilles, comme je vous ai dit tantôt. Donc, on a tendance à en avoir beaucoup, mais moi, je les utilise souvent. Donc, voilà. Celui-ci, j'utilise ça le soir seulement après avoir nettoyé mon visage. Et puis, voilà, j'utilise le produit comme ça. C'est un très bon produit. Ça pique un petit peu. Il y a des résidus en bas avant de l'utiliser. Donc, je check un petit peu. Comme ça, ben, je vais tout est mélangé et voilà, c'est mousseux. Regarde, ça mousse un petit peu. Et quand je le mets sur le visage, je ne rince pas. Ça se rince pas après, quand j'ai fini de nettoyer avec ça. Donc voilà. Et puis, j'ai un autre produit ici. Ça, c'est chez Corinne de Farm. C'est eau de rose, douceur et voilà, c'est ce qui est écrit Gentle Rose Water. Donc voilà, je l'aime bien ça aussi. Tout ceci, lui, il adoucit et ça tonifie aussi la peau. Donc voilà, j'aime bien. Ça fait comme deux jobs à la fois. Mais tout ceci fait plusieurs jobs à la fois. Donc c'est bon, c'est vraiment bon pour la peau. Donc si jamais vous tombez sur ça. Ben, n'hésitez pas de l'acheter, c'est vraiment une bonne eau de rose à utiliser sur la peau.
Et on peut aussi l'utiliser comme un toner ou autre chose. En tout cas, c'est très bon pour nettoyer la peau. Voilà. Donc, pour le soir, toujours, je l'utilise seulement le soir. Et puis, voilà. Et puis, j'ai un autre produit que j'utilise seulement le matin. Pas le soir. J'en ai que j'utilise le soir, mais celui-ci, je l'utilise vraiment que le matin. Voilà. Ça, c'est chez Clean and Cleaner de chez. Mais c'est ça, c'est une compagnie de produits de beauté qui se vend beaucoup en pharmacie. Ça nettoie et ça illumine. Il y a des petits grains, si vous pouvez voir. Il y a des petits grains. Donc, quand vous mettez ça sur la main, vous frottez sur le visage, les petits grains, ça pète un peu sur la peau et ça libère les vitamines qu'il faut pour le visage. Et ça c'est sans huile. Il n'y a pas d'huile ici. C'est un très bon produit. Ça laisse le visage vraiment, vraiment clean. Le matin, au réveil, souvent, ça booste un peu le visage. Ça booste le teint. Ça booste vraiment. Ça unifie la peau. J'aime bien comment est-ce que ça laisse ma peau. Ça, c'est le premier produit nettoyant que j'ai utilisé depuis que je suis en Amérique du Nord. Vraiment, j'achète ça à chaque fois que ça finit. Celui-ci, je viens de l'acheter. Donc, c'est vraiment un très bon produit. C'est même écrit. Non, c'est même écrit à Morning Burst, Skin Brightening, Facial Cleaner. Vous voyez, donc, c'est vraiment bon. C'est un bon produit, je l'aime bien. Si jamais vous tombez dessus, ben n'hésitez pas de l'acheter. Ça se vend chez Walmart, dans n'importe quelle pharmacie. Ça coûte pas cher, 6 à 7 dollars. Parfois même 4 dollars quand il y a des sales. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Tous les produits que je viens de vous montrer ici, se vendent en pharmacie. Et en dehors de ça ici, celui-ci, je l'achète chez Winners ou Marshall. Ça se vend chez Winners ou Marshall. Donc, pour ceux qui fréquentent beaucoup ce magasin-là, vous allez un jour tomber sur ça. Mais sinon, le reste de produits se vend en pharmacie, chez Walmart notamment. Walmart, n'importe quelle pharmacie ici en Amérique du Nord, vous allez les trouver. Donc, voilà, je voulais partager avec vous mes produits de soins que j'utilise la nuit pour nettoyer le visage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne. J'apprécie toutes les personnes qui se sont abonnées et je les remercie énormément. Merci de faire partie de cette petite communauté, de cette petite famille que nous sommes en train de former. Je vous remercie d'être là et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Merci. Bye bye.